suis prêt à parier. Et ici, on s'écouterait un peu plus. Peut-être qu'on se comprendrait. Et oui, ici, on se regardait un peu plus. Le nouvel album vient d'arriver. J'en suis très très content. On en est très très content. On avait des objectifs sur cet album. Au moment de lancer cet album, on voulait un album qui soit vraiment reggae, mais qui soit vraiment reggae d'aujourd'hui, qui sonne moderne. Pour nous, on a réussi à faire ça. On voulait que dans l'esprit, ce qui se dégage, ce soit quelque chose de chaleureux, qui tire vers le haut. C'est-à-dire pas de plutôt positif. Il y a souvent plein de façons de regarder un sujet. Il y a la façon pessimiste et en colère, ou le traiter le même sujet mais en se disant bon, on peut améliorer ça encore. On avait envie de ça, de tirer vers le haut. On est très content de cet album, réellement très content de cet album. Le livre, c'est différent. Ça fait un moment que j'ai commencé à écrire les souvenirs de Cinzia Emilia. À la base, je l'écris pour nous, je l'écris pour nos enfants plus tard, pour que, voilà, on a fait ça. Et puis petit à petit, de chapitre en chapitre, ça a commencé à prendre de la forme. La première fois que Criquet a lu, il s'est retourné. Je le voyais par moi, il se retournait, il me regardait, il avait les larmes aux yeux. Bon, il éclatait de rire. Il m'a dit, non, mais c'est super, faut pas le faire que pour nous. Va au bout de ton truc et fais-en un livre. Bon, moi, j'écris pas des livres à la base, hein, j'écris des chansons, mais on est allé au bout. Et je suis content parce qu'il y a énormément de super retours des gens qui me disent ouais, c'est super, on est dans votre aventure avec vous, on a l'impression d'être dans le bus. Et c'est exactement ce que je voulais. Asseyez-vous dans le bus, on vous raconte notre histoire. Ensemble, dernier. Au village sans prétention. Je sais que les gens savent qu'on est sincère, et je pense que ça joue. Je sais que les gens savent qu'on est jamais à l'économie. On s'applique dans tout ce qu'on fait tout le temps, chaque soir, que ce soit à l'Olympia ou dans une minuscule salle quelque part. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas, je le fais pourtant. En écoutant par le clairon qui sonne, et les marches en aiment pas que. La longévité du groupe, j'en suis terriblement fier. C'est la chose dont on est le plus fier. On a réussi notre aventure humaine. Et ça, c'est indépendamment du succès populaire ou pas. C'est réussir à préserver l'amitié, à préserver des rapports sains entre nous. On est très fiers d'avoir réussi ça en passant par le dialogue, la compréhension, l'écoute de l'autre, l'empathie. Enfin, voilà, ça, c'est le truc dont je suis le plus fier. Après, le succès, bien sûr qu'on est content, touché. Enfin, ça fait des années que ça dure. On a des gens fidèles qui nous suivent depuis des années, d'autres qui arrivent maintenant. C'est fou quand on sait d'où on vient à la base. L'histoire est folle, ouais. Mais non, les convictions sont restées les mêmes, ouais. C'est pas s'assagir que de dire que de comprendre en cours de route que merde, en fait, il y a certains trucs, tu vas plus facilement les faire comprendre si tu les dis calmement que si tu les gueules. C'est pas perdre de la conviction, c'est pas adoucir, c'est juste qu'est-ce qui est le plus efficace. Dis-les calmement et doucement et c'est souvent mieux entendu. Content que la chanson continue à vivre, que des gens la fassent vivre. Non, c'est plutôt touchant pour nous, c'est flatteur. Donc on réagit plutôt positivement, enfin complètement positivement. Et après, très tôt, j'ai estimé que cette chanson nous appartenait plus. Parce que cette chanson, à la base, moi je l'ai écrite dans ma cuisine, en regardant mes filles jouer.
Et c'est ça que j'écris. Qu'après, la chanson que j'entends partout en France, c'est la même chanson, mais dans ce cas, c'est les gens qui lui donnent cette vie-là. Moi, j'ai juste écrit un truc pour mes enfants dans ma cuisine. Donc, elle nous appartient. Et elle leur appartient. En fait, c'est marrant, je trouve que cette chanson a sa propre vie. Elle vit sa vie. Et c'est très bien comme ça. Je suis incapable de qualifier notre public, il est ultra varié. Des fans de reggae avec l'esprit suffisamment ouvert, des gens qui n'écoutent que Cynthia Emilia comme reggae, plusieurs générations, réellement plusieurs générations, il est vraiment. Le point commun de ces gens-là, c'est que très souvent, ils viennent dans un esprit chaleureux et avec l'envie de partager un truc chaleureux. Ça, s'il y a ce point commun-là. Après, ils sont vraiment, vraiment tous très différents. C'est super agréable pour nous. Je me dis, putain, je serai un artiste où mon public, c'est que des jeunes filles de 15 ans qui me trouvent super beau. Là on est complètement ailleurs. Peut-être parce qu'on n'est pas assez beau aussi, mais bon, voilà, ceci est un autre débat.